Eh bien salut tout le monde, c'est Copy Boys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 en mode confrontation. Donc c'était sur la map Érosion. Donc on se retrouve quand même pour une vidéo un peu spéciale. Pardon, excusez-moi. Tout simplement parce que je tente une MOAB au Deagle les amis, au Desert Eagle, vous avez bien entendu. Je sais, certains vont me prendre pour un fou, mais c'est vraiment un défi qui me tenait à cœur, que j'avais envie de réaliser. Et que je me sentais capable de pouvoir réaliser. Donc dans ce gameplay, bien évidemment, j'étais accompagné de LWG Yoshi et de Laxa. Enfin, Yoshi qui avait changé de compte, qui était Sky Space. Enfin bref, enfin voilà quoi. Donc je vais un petit peu vous présenter ma classe vite fait. Donc j'étais avec le... En arme principale, on s'en fout puisque je l'utiliserai pas. Donc le Desert Eagle couteau tactique. En atout, je devais avoir reconnaissance pro, ensuite assassin et soit visée solide, soit tireur en élite. Ça, je m'en rappelle plus. Puis après, en spécialiste, hein, j'avais détermination, pillard et tour de passe-passe. Donc le Desert Eagle, hein, qui n'est pas que présent sur Modern Warfare 3, il était aussi sur Code 4. Sur Code 4, je l'aimais vraiment cette arme, mais aussi sur Modern Warfare 2. Je crois que c'est les deux seuls où il était présent, plus Modern 3. Surtout que sur Modern Warfare 3, il est très difficile à utiliser par son énorme recul. Je sais pas si vous voyez, dès que je tire, il part vers la droite, en hauteur vers la droite, donc c'est vraiment pas facile à utiliser. Donc là, vous avez vu une triple en une balle au Dragunov headshot de la part de Sky Space. Ça nous a vraiment choqué tous. Donc c'était vraiment très bien joué de sa part. Donc je vais d'abord revenir sur quelque chose. Vous avez certainement vu qu'en face, il y a Mini Boys. Donc Mini Boys qui est un de mes amis, hein, que je fais des parties avec lui. Et vous allez tous me dire c'est du boost. Alors que moi je vais vous dire que c'est pas du boost. Tout simplement parce que j'avais même pas vu qu'il avait rejoint au début de la partie. Donc c'est au cours de la partie que j'ai vu qu'il a rejoint. Lorsque j'étais déjà dans une belle série. Donc je me suis dit... Je vais pas quitter exprès parce que lui il a rejoint en face, ça serait vraiment dommage. Surtout que vous allez voir à certains moments qu'il sortait ses FMG9 Akimbo pour pouvoir venir me tuer. Donc à un moment donné j'ai eu très chaud. Donc voilà, c'est pas du boost. C'est pas. Vous allez voir que d'ailleurs les autres ennemis ils vont quitter. Ensuite il y en aura deux qui vont venir. Donc vous verrez, c'est un gameplay totalement normal. Donc là, hein, je suis déjà dans une belle série, hein, mes coéquipiers me donnent des drones et des vestes balistiques assez souvent, donc ça me facilite grandement la tâche. Donc j'avais mis reconnaissance pro pour marquer les ennemis, pour que Laxa me les tue. Là, vous voyez, il avait déjà sorti ses FMG9, donc vous voyez que c'est vraiment pas un truc. Cheater, booster, tout ce que vous voulez, je comprends même pas pourquoi les personnes doutent des gameplays des gens, puisque je vois pas l'intérêt de mettre un gameplay qui n'est pas du tout méritant, ça montre pas du tout votre niveau, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez vu, je passe souvent sous les petits ponts là, qui sont en dessous de la map, je vais jamais dans l'allée principale, mais quasiment jamais, hein. Sur les côtés de la map ou alors comme ça, mais je rentre jamais dedans pour prendre des risques inutiles. Donc je vais vous parler de mon projet que je suis en train de réaliser. Donc qui s'appelle qui s'appelle qui se qui est un Moaptage. Donc c'est un montage avec des Moabs avec toutes les armes. Comme je vous avais dit, j'ai fait des Moabs avec toutes les armes. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais maintenant vous le savez. Donc ça sera un petit montage avec des mobs avec toutes les armes. Donc ça sera assez sympathique avec une musique etc. Donc qui va arriver très prochainement. Je pense dans 2 semaines. Et je pense que juste avant la sortie de Black Ops 2, mon premier montage va sortir. Mon Dual Tage avec Flo. Donc KZ Use Flock. Donc j'espère que celui-là va vous plaire parce que l'éditeur est vraiment en train de faire un énorme travail. Ça va vraiment être un montage excellent. Et je le remercie encore une fois pour son travail. Là vous avez vu,
Il y a FMG9 encore une fois qui sont venus me toucher. Donc j'étais tout rouge, j'ai perdu mes vestes. Heureusement que j'avais les vestes, sinon j'aurais été mort. Donc oui, je reviens un peu sur le Duel Tage. Donc l'éditeur qui est vraiment en train de faire un travail monstrueux. Donc j'espère que ça va vous plaire, puisque ça lui prend quand même beaucoup de temps, hein, de rassembler quelques clips et quelques clips. Enfin quand même pas mal de clips et de faire vraiment un bon edit dessus. Et il nous a dit qu'il y aura certainement un épisode 2. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça dans les prochaines vidéos. Je voulais aussi vous demander si vous avez vu que j'avais fait une vidéo sur FIFA 13. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, puisque c'était le Classico. Donc pardon, au MPSG. Donc je vous invite à aller voir ce Classico que j'ai fait en duel commentary en live. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous me dites et il n'y aura pas de souci, je referai des vidéos sur FIFA 13, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc là, Nico qui est en train de m'inviter, mais bon, il voyait pas que j'étais dans le mode studio. C'est pas grave. Donc là, je suis vraiment déjà pas mal en série, hein. Je me suis dit, allez, faut pas que je la loupe cette tentative. Là, encore les FMG9 qui me courent après. Et lorsque j'étais à 23 kills, c'est mon frère qui m'avait dit, si t'as pas ta Moab, je te tape. Donc ça m'avait fait déjà très rire. Et alors je me suis encore vraiment plus concentré, parce que je voulais lui montrer que j'étais capable de pouvoir la réaliser, puisque j'étais en confrontation 2v2 quelques parties avant, avec uniquement LWG Laxa. Et j'avais fail ma Moab au Desert Eagle à 22 kills. Donc à ce moment là j'étais vraiment dégoûté. Donc je me suis dit, je peux vraiment pas louper cet MYB. Et là, MYB. Et là vous pouvez pas savoir comme j'étais content d'avoir débloqué cette MYB au Desert Eagle. C'était vraiment vraiment très exceptionnel. Enfin tout ce que vous voulez, j'étais vraiment le plus heureux à ce moment là. Et là vous voyez, regardez, j'envoie ma Moab et là je suis tout content. Je donne des coups de cut dans le vide, je donne des coups de cut, je suis tout content avec LWG Laxa et ainsi de suite. Et vous avez certainement vu que SkySpace dans cette partie faisait pas mal d'headshots, tout simplement puisqu'il voulait avoir le titre 1000 headshots au Dragunov. Donc je crois que maintenant il l'a eu. Enfin bref, et je le félicite encore une fois pour sa triple headshot en une balle au Dragunov, ce qui est vraiment très rare à pouvoir voir. Donc comme je vous l'ai dit, une fois que mon Dual Tage sera sorti, donc après ça sera la sortie de MW2 je pense. Donc pas de MW2, qu'est-ce que je raconte, de Black Ops 2. Voilà, je raconte n'importe quoi. Oui, donc de Black Ops 2. Et là je vous ferai vraiment des vidéos dessus, hein. Surtout sur le zombie que j'attends avec impatience, avec les trailers qui sont sortis cette semaine. Le trailer, je crois qu'il y a un mode transit. Enfin j'ai pas encore tout compris, donc je vais aller m'inspirer, enfin pas m'inspirer, je vais aller décortiquer ces vidéos et je vous parlerai de tout ça. Là j'ai vraiment fail mon coup de cut et l'ennemi a vraiment eu du mal à me tuer. Heureusement que j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, et là vous pouvez voir, une fois que j'avais débloqué ma Moab, je suis vraiment allé partout dans le tas avec mon Desert Eagle, j'avais plus peur de rien. Et j'étais vraiment soulagé d'avoir réussi cette tentative. Donc oui, je vais vous faire pas mal de vidéos sur le zombie et même sur le multijoueur, hein. J'attends avec impatience ce jeu, puisque là, Modern Warfare 3, j'ai un peu fait le tour, hein. J'ai fait des mobs avec toutes les armes, j'ai toutes mes armes en or, les armes secondaires, j'ai tout niveau 10, hein, il me semble. Donc, il y a vraiment plus grand chose à faire, à part aller jouer avec mes abonnés, ce que j'aime vraiment bien faire. Et si c'est pas le cas, je crois que ma liste d'amis est bientôt pleine, donc si vous voulez jouer avec moi, c'est le moment de m'ajouter. Et vous verrez que si vous jouez avec moi, j'invite quelques potes, etc. On peut vraiment faire des massacres et des carnages. La dernière fois, il y a quelques jours, on a encore lâché une double Moab en domination. Ensuite, j'en ai de nouveau lâché une. Et ensuite, un coéquipier en a aussi mis une. Donc c'est vraiment, vraiment amusant de jouer ensemble. On fait vraiment des bons carnages et c'est amusant, quoi. On s'éclate, c'est le principal. Donc là, le gameplay se termine. Donc je termine ce gameplay avec un très bon score que vous verrez juste à la fin. Je termine même avec la killcam de fin en double élimination des Desert Eagle, si ça c'est pas beau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Partagez la vidéo avec vos potes et surtout
Si mon travail vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Bye tout le monde.